Elles ne sont plus que quatre. Ça y est, hein, ça se resserre. Hey, 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 cucu, mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode des Hunger Game of Sims Disney Edition. On retrouve nos quatre dernières princesses qui sont encore en lice pour gagner le cœur et le corps sexy musclé du prince. Nous avons Cendrillon, Belle, Aurore et Elsa, trois blondes, une brune. C'est pas de bol, hein. C'est un peu une dominance pour les blondes, mais bon, pourquoi pas. Et aujourd'hui, elles vont s'affronter dans une nouvelle compète avec le bowling. Yeah! Et c'est dans l'enceinte du château qui est tout juste assez grande que j'ai pu installer une petite piste, enfin une grande piste de bowling, où ces chères demoiselles vont pouvoir s'affronter les unes contre les autres. On va commencer dans l'ordre avec Cendrillon qui va inviter à jouer au bowling en 5 frames avec Belle. La gagnante aura un point. Je vais les faire combattre les unes contre les autres pour être un peu plus équitable. Ça va être parti. Alors, Cendrillon commence. C'est vrai que c'est très d'actualité le bowling pour des princesses. Ah! Eh ben, d'accord, elle est donc envoyée la boule complètement ailleurs. Ça commence bien. Elle recommence donc son tir. Pas mal, pas mal. Ça fait 5 quilles de tomber. C'est à Belle de se lancer. Ouf, c'est pas terrible du tout, ça, ma Belle. Belle, elle a toujours été dans le mal depuis le début de la compétition. Est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir? On ne sait pas, peut-être qu'elle cache bien son jeu. Hein, c'est peut-être elle qui va gagner au final. Bon, les filles, là, arrêtez de papoter et jouez un petit peu. J'aimerais bien savoir laquelle des deux va perdre entre vous, là. On n'a pas le temps de ça, on n'a pas le temps de niaiser. Cendrillon se lance à son tour. Toujours 5 de part. C'est le tour de Belle à nouveau. Aïe, aïe, aïe. Elle est partie assommer les oiseaux, sa petite, sa boule. Et du coup, elle n'a pas à rejouer. Eh ben, on est mal barré pour Belle. Hein. Moi, je vous le dis. Donc, Belle a retiré. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a quand même beaucoup plus de quilles que tu n'avais fait. Il y a encore moyen que tu gagnes, ma cocotte. Hein. Cendrillon, elle est abonnée aux 5. Oula, Belle, elle nous fait des figures. Oh, c'est un strike, mesdames et messieurs. Ah ouais. Ah mais assez avec ça, tu gagnes pas contre Cendrillon. J'ai rien compris. Ah la vache, elle était super nulle, elle nous a fait un strike.
et c'est un beau strike pour Cendrillon également. Ça y est, ça commence à prendre du level là. Aïe aïe aïe, la compète est à son comble. C'est de nouveau au tour de Belle. Ouh là là, oh ouf. C'est un beau raté. Encore le tour de Cendrillon. Aïe aïe aïe, Gouttière. Ah, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Niveau 2 de bowling. Oh, elle m'a fait un truc. Elle a envoyé un boulet de canon dans les quilles, quoi, la meuf. Ah bah, tu m'étonnes, t'es contente. Oui. Et c'est donc Belle qui a gagné ce premier match. Je note. Et Cendrillon, 0. Le deuxième match sera donc Elsa contre Aurore en 5 frames également. Clac, hop, c'est parti les filles, on veut savoir laquelle de vous deux est la plus douée à manier les boules et les quilles. C'est donc parti pour ce deuxième match qui oppose Aurore contre Elsa. Attention, c'est le début pour Aurore. C'est pas mal pour une première, c'est pas mal, on va pas dire le contraire. Première boule également pour Elsa. Ouf, bah... ça va, c'en est toujours une de moins sur la piste. Moi, je trouve que ça passe. Deuxième pour Aurore. Aïe, 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 Gouttière. Même le clown triste, il est sorti pour saluer cette performance. Et c'est pas forcément mieux pour Elsa. On a connu mieux. C'est encore au tour d'Aurore. Ouh, joli, joli, joli. Ça va, franchement. J'ai cru au strike, mais ça n'était pas encore. À nouveau Elsa. Ah bah oui. Ah bah ça c'est pas terrible ça. Ça va pas aller très très loin ta balle, hein. C'est pas possible. Hop là, c'est pour Elsa. Elle a failli tomber et partir avec sur la piste, mais c'est pas si pire que ça. C'est bien. À Aurore également de jouer. Aïe 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 aïe. Oh ça va. J'ai cru encore au strike. Pour l'instant, il n'y en a aucune des deux là qui nous a fait un strike, alors que Belle. Alors que Belle, hein, quand même, elle a géré. Allez Elsa! Oh oui! C'est un strike! Oh la vache! Elle était mal barrée et finalement ça commence à venir au bout des doigts. Bon Aurore, il faut assurer là. Faut assurer. Oh non, 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 malheureusement non. Et hop! Oh la vache, elle nous a fait un boulet de canon, mais c'est pas un strike. Il en reste une. Je pense que quand même, elle est mieux barrée qu'Aurore pour gagner ce match-là. C'est donc Elsa qui a gagné la partie avec un score de 53. Oh là là, ça c'est bon ça. Donc Aurore 0, Elsa 1. Pour l'instant, les gagnantes, c'est Belle et Elsa. Et Cendrillon et Aurore ont perdu. Ont beaucoup perdu. Ce quart de finale va donc se faire affronter Cendrillon contre Aurore, deux blondes, enfin une blonde qui va s'en aller, une blonde de plus. Arrêtez de chanter là. Vous me direz, c'est des princesses, elles font que chanter tout le temps. Je pense que c'est Belle qui se dit pour une fois que je suis pas dans la merde, je vais le fêter. Cendrillon contre Aurore, c'est parti. C'est le match décisif. Allez, on est parti. Pour ce dernier duel, attention les filles, hein, vous vous battez là pour un prince et une vie d'amour, remplie d'amour et de bonheur avec votre prince d'amour. Meanwhile. Et voilà, quand vous laissez vivre vos Sims, hein, ce qui se passe, c'est qu'il y en a une qui fout le feu en plein milieu de la game. Du coup, on est reparti à faire une autre partie. Le suspense va être encore plus ouf. Elles vont donc recommencer à jouer. Je leur ai supprimé le buff, évidemment, de l'incendie, histoire qu'elles soient plus zen. Et on est reparti pour un tour. Ah bah c'est mal barré pour Aurore. Voilà, ça c'est fait. Aurore recommence. Ouh, pas mal. C'est au tour de Cendrillon de lancer sa boule de nouveau. Avec un joli roulé-boulé et un strike. GG à toi, ma belle. Aurore se lance de nouveau. Ouh, c'était joli. C'est dommage, il en reste 4. Ouais. Alors que Cendrillon relance à son tour. Et c'est un... Non, ma
même pas un strike de feu. J'y croyais avec le boulet en feu là, ça aurait été canon, mais non, malheureusement. Ça n'a pas fait strike. Et Aurore qui relance. Aïe 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 aïe. Cendrillon relance à son tour. Oui, c'est pas terrible. Peut-être sa robe qui la gêne. Elle est tellement énorme cette robe. Aurore n'a pas dit son dernier mot. Elle gagne une compétence 3. Ouais, bon, bah, c'est pas GG, ma belle. Hein. On n'est pas GG. Hein. Cendrillon retire à son tour. Avec un joli roulé-boulé. Oh, zut! C'était presque un strike. Oh, regardez-moi comment elle... elle a dansé. C'était magnifique. C'était énorme, ça. C'est de nouveau au tour d'Aurore avec un roulé-boulé qui fait un strike. Yeah! Alors, est-ce que la partie est finie ou encore ça continue? Ah non, c'est encore à Cendrillon de lancer. Oh, le suspense est à son compte parce que je ne sais pas, moi, compter. Ouh, c'est dommage! Ah là 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 là, j'arrive pas à savoir parce que Aurore a mal commencé, mais Cendrillon, ça va, je suis confuse, je sais plus qui a, je ne sais pas qui a gagné ou perdu. J'espère que le jeu va me le dire. Oh là là! C'est Cendrillon qui a gagné avec un score de 98! Et c'est donc Aurore qui va s'endormir pour l'éternité. La belle au bois dormant va dormir pour de bon. Je suis désolée, ma belle, mais tu es le maillon faible. Au revoir. La pauvre Aurore est là, sur le bord de son lit, magnifique chambre, attendant patiemment qu'elle passe l'arme à gauche. Ma cocotte, pour le coup, vu qu'il fait toujours très chaud, tu vas pouvoir changer de tenue et te mettre en tenue de temps chaud. C'est une mort assez rapide et n'hésite pas à t'asseoir, à faire ce que tu veux et surtout à mourir. Oui, tu peux admirer cette belle chambre. En tout cas, tu ne la visiteras jamais et le prince ne viendra jamais dormir avec toi. Tu t'endormiras seul pour l'éternité. C'est triste. Voilà, on commence à parler choses sérieuses là. Bon, elle a mal mangé, c'est pas très grave. Tu sais, ma cocotte, ce qui va t'arriver, ce sera 10 fois pire que ça. Donc, respire, ça va bien aller. Ça y est, ça y est, ça y est, ça commence à mourir de chaud. Oh, bah je comprends pas pourquoi, ma cocotte. Bon, les nuages ont l'air plaisants, hein, pour l'instant. Elle voit des formes bizarres, des formes de cercueil, des formes de croix, des formes de bestioles qui vont la ronger quand elle sera décédée. Forme de prince, non? Pas pour elle. Deuxième notification. Elle s'accroche, hein? Eh, elle est un peu dure, hein, mais on va réussir à percer sa carapace, n'inquiétez pas. Je crois qu'elle est en train de faire l'itinéraire par où elle ira dans le ciel, une fois qu'elle sera décédée. Ah oui, alors j'irai par au-dessus, au-dessus, là. J'irai faire le tour de cette planète, le tour de cette étoile. Après, j'irai voir par là et par là. Et puis c'est bon quoi. Mais tu vas voir, tu vas t'éclater ma cocotte. Tu pourras aller où tu veux, une fois fantôme. On y est, c'est le grand moment. Aurore a beaucoup trop chaud et s'endort pour toujours. Elle n'aura pas à choisir de robe bleue ou rose. Elle n'aura pas d'enfant. Ne fera pas de pull avec la laine qu'elle aura tirée avec un machin tout ça. Non, elle ira juste rejoindre ses amis dans un autre monde. Loin d'ici. Allez, petite faucheuse, emmène donc cette pauvre, pauvre princesse, Aurore de son prénom, dans un autre monde. Et voilà, il en reste donc plus que 3 dans le game. Cendrillon, Belle et Elsa. Serré, 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 serré. La faucheuse va donc les voir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des Hunger Games of Sims avec la demi-finale. Aïe, 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 aïe. Les pronos sont ouverts dans les commentaires. N'hésitez pas à me les communiquer. N'hésitez pas non plus à liker, à partager l'épisode et ma chaîne pour me faire connaître. Des gros bisous à vous. À la semaine prochaine. Ciao.